de la paix Oscar Maître, également reformé comme disciplinaire, pour s'être livré régulièrement à la filterie de poissons et aux boules. Bon, filterie, bois, mais après, je ne fais pas. Gardien de la paix à trois et pour former à la femme de disputer pour tentative de vol. A été soufflé en flagrant de lutte de vol dans un cafétéria. Gardien de la paix Maître et pour exclusion temporaire de 3 mois pour absence prolongée, non motivée. Vous voyez comment la discipline est. Officier de police a joué kilo. 6 mois d'exclusion temporaire pour raquette et cupidité. A exigé une somme d'argent dans un règlement d'une affaire à son poste de service à Nadjundi. Brigadier de police Tango, reformé et mis à la disposition de la justice. Soustraction frauduleuse de 2 motos mises en consigne à la DSR. Brigadier de police Alpha Charlie, 30 jours de prison. A délivré un certificat de résidence de façon frauduleuse. Gardien de la paix Franco Golf, reformé par milieu disciplinaire pour indiscipline, vol, inconscience professionnelle, vol de matériaux de construction à la maison du Hague. Gardien de police Yankee Kilo, 30 jours, non-respect des consignes, publication non autorisée d'images de manœuvre des élèves sur Facebook. Gardien de police Bravo Lima, reformé bien à la disposition de la justice. Vol aggravé, approvisionnement soustrait un colis contenant des portables à l'aéroport international Yassine Yadema. Officier de police adjoint, Novembert Yanki, 6 mois d'exclusion temporaire, a libéré un voleur de moto contre une somme d'argent à Tado. Officier de police adjoint, Papa Mike, 6 mois d'exclusion, indiscipline et délicatesse et raquette à retirer de l'argent auprès d'un voyageur à l'aéroport international. Officier de police adjoint, Tango Bravo, 6 mois d'exclusion pour le même motif à retirer de l'argent auprès d'un voyageur à l'aéroport. Brigadier de police, Alpha Tango, la punition en cours et la procédure grave parce que c'est une malversation financière sur les recettes de carte d'identité. Il a déposé la somme de 2 300 000 équitance de carte d'identité. Rembourser et continuer sa route là où il doit atterrir. Et enfin, brigadier de police, Oscar Kilo, 6 mois d'exclusion, a retiré de l'avion auprès d'un voyageur à l'aéroport international. Yassine Yadema. Ça, c'est du côté de la police. Vous avez également un cas du côté de la gendarmerie nationale. Maréchal des logis Mike Tango, 30 jours d'arrêt de rigueur, indiscipline et conscience professionnelle et raquette, sous-officier indiscipliné et conscient. Animé d'un esprit de raquette. Irrégulièrement désigné de service, le subitaire de l'aéroport, Yassine Yadema, ils sont deux, ont extorqué de l'avion au passager. Et les gendarmes, Alpha Kilo, 30 jours de prison avec DA, ça veut dire demande d'augmentation. Donc, ça veut dire la punition en cours, demande d'augmentation doit monter. Mais quand on a vu S, ça saute. Ça demande d'augmentation sévère. Indélicatesse, jeune gendarme inconscient, s'est rendu pendant la nuit pour substituer au poste de police de la grande porte un téléphone portable. Gendarme a joué un Tango Kilo. Il est en service à l'aéroport international à Singapour et demain. Indiscipline, abandon de poste, risque sur la voie publique et dépôt de compte rendu. Jeune gendarme a joué indiscipliné, inconscient. En durcie de cœur, irrégulièrement désigné des services de sécurité au poste ascenseur de l'aéroport international Yassine Yadema, a abandonné son poste pour se retrouver avec un délinquant, un bandit de grand chemin, et après avoir pris un pot dans un bar, sont allés commettre des risques sur la voie publique, aller agresser les gens. Gardien de la paix Mike Delta, seront jour de tôle avec avertissement. Non-respect de consignes, violente volontaire exercée sur un manifestant interpellé lors d'une marche des partis pour tuer l'opposition. C'était le 28 décembre. Vous avez vu les images sur WhatsApp, ça fait le tour du monde. C'était inadmissible ce que ce policier a fait aux manifestants.
qui ont mis dans la machine avec des coups de pied sur l'intéressé. Voilà un certain nombre de punitions, de sanctions dont nos éléments font l'objet. Donc ils se comportent ou en service ou dans leur vie privée. Donc cessez de dire que les policiers, les militaires, les gendarmes sont toujours impunis. Si vous ne savez pas, c'est eux qui reçoivent les lourdes sanctions en cas de faute. Je demande vraiment que la société civile, la population civile, cesse de les aider dans l'exercice de leurs fonctions.